que vous serez là, que vous viendrez les écouter, ils seront deux. Et aujourd'hui, on va finir le triptyque des conférences qui ont été organisées avec en collaboration avec le Carnot Énergie du Je vais faire une petite introduction avant de te donner la parole. Oui, merci Amal. Bonjour à tous. Donc effectivement, troisième et dernier Midi Minatech co-organisé par Carnot dans le cadre de ses 15 ans. Alors Carnot, pour ceux qui n'ont pas participé au premier Midi Minatech, c'est la réunion de 10 laboratoires académiques et les 4 départements du CEA Litten qui fêtent effectivement leurs 15 ans de collaboration en direction évidemment du monde industriel, puisque c'est la finalité des Carnot. Et donc, 1000 partenaires industriels nous ont fait confiance pendant cette période-là. Et donc, on célébrait et on termine aujourd'hui avec effectivement l'intervention de Julien Robillard, qui va nous parler de deux transitions qui sont en train de se télescoper, la transition énergétique, la transition numérique. Et donc, je laisse Julien parler de la culture numérique au secours de ces deux transitions. Voilà, Julien. Merci, bonjour, vous m'entendez bien, a priori. Content, très heureux d'avoir été invité. Merci beaucoup à Minatech et à l'Institut Carnot de me permettre d'être là avec vous aujourd'hui. Effectivement, j'ai parlé de ces deux transitions et de ces questions de télescopage. Et pour démarrer, moi, je vais vous raconter une première petite histoire. C'est l'histoire de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, donc entrepreneur très connu et avec en tout cas une certaine vision de l'utilisation du numérique et qui a construit sa carrière dessus, qui en mai 2019 a fait une conférence devant une audience assez large sur le lancement du module lunaire de Blue Origin, sa société spatiale. À un certain moment de sa présentation, il a présenté deux alternatives pour un futur à l'audience. L'un, c'était la stase et le rationnement versus la croissance et le dynamisme. Alors évidemment, stase et rationnement, ça ne fait pas spécialement envie. Donc il a demandé à la population, au public, qu'est-ce que vous préférez ? Le public a dit le dynamisme et la croissance. Et donc la conclusion, c'était, alors il faut aller dans l'espace. Le raisonnement derrière, c'est que si on a une croissance de l'énergie qui se maintient à 3%, la consommation d'énergie double en 35 ans. Ça fait que dans 200 ans, il faut couvrir la Terre complètement de panneaux solaires pour répondre aux besoins de l'humanité. Et de fait, on est dans un blocage, donc il faut commencer à sortir de ce système Terre, de ce système fermé, pour aller chercher plus loin les ressources qui sont nécessaires au maintien de ce dynamisme. Si on le poursuit et qu'on continue la croissance, dans 1500 ans, il faut l'intégralité de la puissance du soleil pour répondre aux besoins de l'humanité, que 25 ans plus tard, il faut à peu près être à Alpha du Centaure à 4 années-lumière pour continuer à accéder à des sources d'énergie, et que globalement, on se retrouve assez vite à devoir conquérir la galaxie plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, ce cas-là, je le prends parce que je trouve qu'il est assez caractéristique, intéressant du fait qu'on cherche à s'extraire des limites, de certaines limites, et c'est sa philosophie, mais qu'en fait, en sortant du système Terre, on arrive aussi relativement rapidement à l'échelle de l'humanité, même à l'échelle de nos vies, un système qui lui aussi devient fermé. Et donc ça ne sert pas tant à grand-chose finalement de s'extraire des contraintes, et la limite du système Terre en soi est déjà quelque chose qu'il faut arriver à traiter. Et cette limite du système Terre, en fait, on a commencé à la dépasser dans les années 70. Alors, on entend parler du jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est à quel jour de l'année on a consommé globalement, collectivement sur Terre, plus de ressources que ce que la planète arrive à produire naturellement, et dans lesquelles finalement on est en train de puiser dans le stock. Donc ce jour du dépassement, il a cessé de se décaler, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2018, là je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais on était au 1er août au niveau mondial, et si tout le monde vivait comme des Français, c'était au 14 mai. Dans cette chronologie, 92, il y a le sommet de Rio. Alors je fais un point, je l'avais mis un peu dans ma note d'introduction sur la conférence, sommet de Rio sous l'égide de l'ONU. On sait à ce moment-là qu'on a des problèmes de durabilité, on se retrouve collectivement, tous les pays se retrouvent pour discuter finalement de c'est quoi les questions de développement durable. Le thème émerge à cette époque-là.
Donc on voit que Rio n'a pas changé l'évolution de la courbe, mais en tout cas, ça a été un moment où a été lancé le GIEC, des études pour arriver à propager finalement ces questions, ces contraintes de durabilité. Et ce que je veux pointer en fait en parallèle de cette courbe, c'est notamment la logique du développement de toute la culture numérique et de l'industrie numérique. Le numérique, il baigne dans la culture de la communication qui elle-même, qui apparaît avec la naissance de la cybernétique dans les années 50. On est dans la sortie de la guerre, une période qu'on pourrait qualifier d'apocalypse, en tout cas, ça a été des grandes destructions et des grands nombres de morts, et avec un doute sur la nature même de l'humanité. Et la philosophie sous-jacente, finalement, de la cybernétique, c'était, à ce moment-là, d'essayer de construire des machines qui viennent pallier aux limites, en fait, aux défaillances de l'humain, défaillances dans la mémoire, les défaillances dans la logique, enfin, il y a une faillabilité considéré naturel de l'humain. Et donc, on cherche à construire des machines qui compensent ça. Alors, dans les années 50-60, on voit aussi émerger les prémices de l'intelligence artificielle avec la même logique de lutter contre les défaillances. Le numérique, en tant que tel, il apparaît dans la décennie 90. Alors, avec un premier élément assez structurant qui est Netscape, qui est le premier navigateur Internet, qui a amené à l'explosion, finalement, de l'utilisation d'Internet. Et qui s'est conclu en 98 avec l'arrivée de l'iMac, qui a été les ordinateurs faits par Apple, qui ont globalement très démocratisé l'accès finalement à Internet dans les foyers et transmis un certain nombre d'usages. Au milieu de tout ça, dans cette décennie-là, on voit apparaître des enjeux autour de la réduction très forte du coût de la réplication, ce qui fait que les coûts jusqu'à présent dans les entreprises tout ce qui était taylorisme, en tout cas optimisation, qui était concentré sur ces questions de coûts de réduction, ben en fait, a complètement été rebousculé par les capacités qu'a amené le numérique. On a eu le numérique qui a permis notamment d'accompagner la globalisation, qui l'a renforcé, la mondialisation. Il y a eu des aspects autour du numérique aussi, notamment dans les aspects monétaires, qui a facilité la financiarisation de l'économie. Donc tout un pan de développement, de transformation de la façon dont on a fait de l'activité humaine à cette époque-là. Et j'insiste sur le fait que sur cette période-là, la présidence aux États-Unis, c'était Bill Clinton, et sous l'ère Clinton, la vision qu'il y avait du numérique, c'est que c'était finalement un nouvel espace de développement économique qui allait permettre de prolonger une croissance avec un potentiel infini de développement en faisant abstraction, en fait, en se décrochant des ressources planétaires dont on avait conscience à l'époque qu'on était en train d'attaquer des limites. On voit que le développement finalement, et du numérique et des problématiques environnementales dans la suite des décennies a montré globalement que ce chemin, c'était une vision, mais qui ne s'est pas concrétisé. Juste pour dire, derrière, dans les années 2000, on avait les ordinateurs, effectivement, donc les Mac, l'accès à l'Internet, on est rentré dans l'âge de l'accès, la propriété était moins importante, on a plus travaillé sur les régulations autour de l'accès aux services, et on a vu apparaître la notion de digital. Le digital, c'était l'apparition des téléphones mobiles, les premières interactions tactiles, donc c'est du doigt que vient la notion de digital, et globalement, avec un service... une valeur qui était plus forte dans la technologie. En fait, du fait de l'interaction plus fine, de la pénétration plus forte du numérique chez tout un chacun, et d'une construction de services, on a vu apparaître une transformation de la façon dont on construisait la valeur. Aujourd'hui, enfin, on est dans un cycle où il y a eu l'ouverture des données, multiplication des données, augmentation des capacités à traiter les données en masse. Donc le big data, l'apparition du cloud, les IoT, l'intelligence artificielle actuellement, qui sont une nouvelle phase finalement de développement de toutes ces activités. Alors quel système ça a produit? Je ne vais pas rentrer dans toutes les définitions, mais je retiens juste celle finalement de dire que le numérique, c'est la relation entre l'humain et la machine. La définition exacte, je la lis parce que je ne la connais jamais par cœur, c'est que ça représente les informations ainsi que l'ensemble des usages et traitements de ces informations qui s'appuient sur l'outil informatique en vue d'une finalité métier. Donc ce numérique est apparu dans notre monde et il s'est déployé. Et finalement, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, on sait que c'est énorme, des milliards de terminaux mobiles, des milliards d'ordinateurs, des réseaux à foison.
Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une transformation dans les usages qui sont plus mobiles. On a une diversification des typologies d'écran et donc les contenus deviennent plus adaptatifs. Et en s'adaptant, en devenant plus adaptatifs, ils deviennent plus lourds. On n'a qu'à regarder la taille que font les sites mobiles aujourd'hui par rapport à quand ils ont commencé à être déployés. La vidéo, elle commence à remplacer le texte. Il y a une tendance datavore. La tendance datavore, ce n'est pas que du streaming. Là, je mets des exemples. Tout ce qui est jeux vidéo en ligne, on parle maintenant de e-sport, que ça consomme des quantités de données extrêmement importantes, capacité de calcul. Le numérique pénètre dans la voiture, qu'elle soit juste connectée ou autonome, dans tous les cas, on parle de quantités de données conséquentes et d'infrastructures numériques conséquentes. Et je mets Goldorak et le robot juste pour dire que globalement, ça se prolonge dans d'autres formes d'innovation qu'on voit apparaître derrière sur les questions de robotique, au retour de la cybernétique et de la relation entre la machine et le vivant. Alors, on laisse propager ça finalement. Si demain vous faites un micro-trottoir et vous demandez à quelqu'un c'est quoi l'avenir, il y aura des réponses extrêmement hétérogènes. Si on regarde ce qui se dit dans des livres ou dans des films, on voit différents types de futurs qui mixent la transition numérique et la transition environnementale. Et on voit des choses assez différentes, donc le cyberpunk et post-apocalyptique, on voit du fantasme de l'évasion dans l'espace et de l'immatériel, ou dans l'immatériel, on voit des visions éco-modernistes dans lesquelles la société humaine a continué à se développer avec une vision hyper-technologique, mais dans laquelle il y a une séparation avec la nature qui, elle, est devenue, de fait, quelque part, libérée de la pression humaine. Donc pas une seule vision, c'est difficile d'arriver à chacun à se définir, à construire sa vision de vers quoi ça va tendre. Et finalement, cette difficulté à converger vers une vision unique, elle traduit le fait qu'il y a des paradoxes dans la transition numérique vis-à-vis des transitions écologiques, énergétiques et consorts. Le premier paradoxe, c'est la dématérialisation. Il y avait des grandes promesses sur la période de Clinton. On disait qu'on allait dématérialiser l'économie. Mais en fait, malgré la loi de Moore qui dit que tous les deux ans, on met deux fois plus de transistors sur un processeur, et ben on continue, on augmente la consommation de matières premières. Il y a la consommation d'énergie, il y a la loi de Cooney qu'on connaît moins, qui dit que tous les 18 mois, on fait deux fois plus de calculs avec la même quantité d'énergie, et ben en fait, on continue à consommer plus. Et il y avait la promesse de la servicialisation, mais en fait, on a beau faire plus de services, en fait, on n'a jamais consommé autant de biens de biens matériels. Et globalement, ces trois paradoxes, ils viennent notamment d'un effet rebond sur lequel je reparlerai après. Ce qu'on peut voir dedans, enfin, ce qui apparaît finalement de ces deux transitions au stade où elles en sont et les cultures qu'elles véhiculent, c'est que globalement, il y a deux imaginaires qui sont bien distincts et qui se parlent assez peu. Du côté de la transition numérique, il y a une notion d'aller fondamentalement dépasser les limites, d'étendre les capacités à agir, à ressentir. Et globalement, c'est une force de transformation qui est importante, qui bouge nos sociétés, mais qui ne sait pas exactement où elle va. On a un problème très circonscrit, on le traite, on apporte une solution. Un problème, une solution, mais en fait, on ne se projette pas spécialement dans le long terme, tout ça est relativement court-termiste. Dans la transition écologique, elle, c'est plutôt, on intègre les limites de notre planète, les limites de notre capacité à agir et de notre rôle dans la planète. On remet en question notre statut de maître de la planète et on se positionne au sein d'un écosystème. Alors ça, c'est une transition qui s'est à peu près à définir des types d'équilibre auxquels il faut atteindre à long terme, mais qui ne connaît pas le cheminement pour y arriver. Alors, je disais, il y a des paradoxes qui sont fondamentaux dans le numérique vis-à-vis des transitions écologiques, avec l'effet rebond qui est au cœur de cette problématique. Tout d'abord, quand on développe le numérique, quand des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, ou même mouvement citoyen cherche à utiliser le numérique pour faire quelque chose, on se pose la question d'automatiser et de massifier l'action qu'on automatise. On ne cherche pas à automatiser pour faire moins. Donc une entreprise, une start-up qui cartonne, globalement, elle a réussi à automatiser quelque chose qui n'y était pas et à démultiplier l'impact. Une technologie nouvelle qui apparaît, on va se poser la question, si on regarde la courbe de Gartner qui définit le hype sur les technos, on va se dire, cette techno, qu'est-ce qu'elle me permet d'automatiser dans ce que je fais au quotidien? Et cette question d'automatiser, débloquer, de faire tomber des seuils pour massifier, elle est quand même y compris au cœur du développement d'Internet. Enfin, on a fait la neutralité du net qui est apparue sous l'ère Clinton sur la question de libéraliser l'accès à des services était conçue pour réduire les coûts d'entrée, pour développer et pour massifier les usages et transformer finalement notre société.
les forfaits illimités qu'on a eu dans la téléphonie mobile, ils ont été financés par la téléphonie fixe, mais avaient la même vocation à développer des usages, baisser des seuils d'accès, développer l'accès, et à la fin, ayant développé un effet d'usage et un effet réseau, ben, les coûts unitaires ont diminué, et aujourd'hui, on ne se pose plus la question du coût d'un accès illimité à la téléphonie, alors qu'initialement, c'était extrêmement cher. Ce qui me paraît important aussi de souligner, c'est que dans le numérique, dans le monde numérique tel qu'on est, on est dans un monde globalement de plateformes, donc avec des plateformes qui recherchent de l'intermédiation. Alors, on peut dire que la blockchain et consorts, d'autres systèmes peuvent changer ça, mais fondamentalement, ça ne se transforme pas tant que ça. L'un des principes sur lesquels je compte insister, c'est que dans cette logique de plateforme, on est dans un acteur, une solution qui ne fait pas, qui n'élimine pas les acteurs préexistants, pas tant que ça, mais qui vient plutôt se surajouter. Alors ça se surajoute, typiquement les plateformes se mettent en intermédiaire entre des consommateurs et des offreurs, enfin des bénéficiaires et des offreurs de services, et dans une logique qui répond bien à un rêve assez libéral, au sens où une vision parfaite du marché avec infinité de consommateurs, infinité d'offreurs et un équipe qui se constitue. L'avantage que ça procure dans cet accès très large à un marché, finalement, c'est d'être en capacité de développer une profondeur d'offres qui soit extrêmement large. On parle de long tail, que long. C'est typiquement, quand on va sur Amazon, je vous mets au défi de savoir combien il y a de produits qui sont vendus sur la solution. La caractéristique principale de ces offres, très large, c'est qu'elles sont hyper personnalisées, elles sont souvent nouvelles, hyper personnalisées, mais globalement, du fait de l'hyperpersonnalisation, moins réutilisables. L'autre élément qui caractérise ce monde de plateforme, je l'ai mis sous Winner Take It All, c'est que globalement, dans un marché mondial, dans la course à la construction de monopoles mondiaux, le premier qui prend une position de force, il écrase le deuxième. On ne parle pas des concurrents de Google, ils n'existent pas. Quoi. Mais comme c'est une course du coup au premier, ben, quand il y a une course effrénée, globalement, on fait beaucoup moins attention aux effets de bord, aux à côté, aux impacts. Il y a cette course à la taille parce que la valorisation finalement d'une société qui agit dans le numérique, c'est un savant calcul entre trois paramètres que sont le capital qui est apporté, le travail réalisé et la multitude, c'est-à-dire la communauté. Et le cas de Twitter est particulièrement intéressant pour ça. Twitter ne gagne pas d'argent, mais la valorisation était conséquente et la valorisation était basée sur la communauté qu'il avait réussi à créer. Donc un acteur du numérique qui veut se déployer aujourd'hui, il va chercher une communauté avant tout et après il se posera la question, mais quand je finance, à quoi ça sert ? Le dernier élément qui me paraît caractéristique intéressant, c'est le « si c'est gratuit, c'est toi le produit », qui traduit bien que ce n'est pas forcément le service qu'on vend, mais on est dans des plateformes biface, multiface, dans lesquelles il y a un bénéficiaire d'un service, mais ce n'est pas lui qui paye, c'est un autre acteur qui paye, parce qu'en fait, on est en train de lui vendre du temps de cerveau, donc c'est la course à l'audience. Et la course à l'audience, en soi, devient un élément qui pose question. Dans tous ces ensembles-là, dans tous ces éléments-là, ce qu'on voit, c'est l'effet réseau qui est inhérent finalement à la façon dont on structure numérique, la recherche de la viralité et la récurrence. Une fois qu'on a ferré un utilisateur, on va se poser la question de le faire consommer régulièrement le service et d'accentuer cette consommation. Et tout ça, globalement, se constitue dans une vision assez court-termiste. On est avec la donnée. La donnée, elle nous permet de regarder ce qui s'est passé avant et de le comprendre et d'en tirer des conséquences tout de suite. Ça permet de monitorer ce qui se passe en ce moment en temps réel et d'agir tout de suite pour compenser des choses. Et ça permet aussi de faire des prévisions pour agir tout de suite pour évoluer mon futur. Mais dans tous les cas, ça se ramène toujours avec des actions à l'instant présent et avec un retour sur investissement à court terme. Et donc fondamentalement, les règles de l'économie numérique aujourd'hui, elles concourent à la hausse de l'impact. Alors, comme j'ai beaucoup parlé et que je ne veux pas vous endormir, on va faire de la gymnastique. Je vais vous poser une question et en fonction de la réponse, vous allez soit rester assis, soit vous mettre debout, soit vous mettre debout en levant les bras. La question, elle est, on va voir si vous êtes fort en culture générale. Dans le monde, quelle sera la fréquence de la survenance d'une vague de chaleur qui arrivait historiquement une fois tous les 50 ans, au 19e siècle, et dans le cadre du scénario de degrés et 4 degrés. Donc avant, vague de chaleur, une fois tous les 50 ans. À 2 degrés, c'est tous les 50 ans, c'est combien de fois ? À 4 degrés, tous les 50 ans, c'est combien de fois ? Donc, il reste assis ceux qui pensent que c'est 5 et 10 fois tous les 50 ans, se mettre debout ceux qui pensent que c'est 10 et 20 fois, et se mettre debout et lève les bras ceux qui pensent que c'est 14 et 40 fois. Alors, attention, j'attends que tout le monde soit positionné. Alors,
Il y en a pas mal sans rester assis. Il y a des optimistes, bravo. Alors, non, c'est 14 et 40, 40 fois. 40, 14 et 40 fois. Donc 14 fois plus. Donc 14 vagues de chaleur à 2 degrés ben, tous les 50 ans. 40 tous les 50 ans à 4 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est si on regarde le pic de chaleur que ça représente, c'est plus 5,3 degrés, donc une intensité de plus 5,3 degrés dans le cas du 4 degrés. Et ça se traduit sur le territoire français à des pics de chaleur de plus de 50 degrés sur la majeure partie du territoire, ce qui fait dire notamment, si vous allez discuter avec la région Grand Est, quand ils travaillent sur leur plan climat, qu'aujourd'hui, ils s'attendent à des températures supérieures à 2100 à celles qu'il y a dans la vallée de la mort aux États-Unis. Donc ça, c'est une information de long terme qui n'est pas super sympa. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la salle, ici, on est quand même dans des gens où on est baigné dans l'information, on n'a pas globalement cette culture-là. Et ça traduit globalement le fait que l'information à très long terme, 2100, c'est franchement pas tout de suite, elle est écrasée par le fonctionnement même de notre cerveau qui se préoccupe plus de l'information à court terme que de l'information de long terme. Et ça, ça se traduit individuellement, mais ça se traduit aussi collectivement. Dans nos sociétés, quand on fait des transitions, on regarde souvent des scénarios à 25, 2025, 2030. On entend parler de la transition énergétique à 2050. Personne ne sait, en fait, globalement, que cette question du changement climatique, c'est une stabilisation à horizon 100 ou 300 ans d'émissions de gaz à effet de serre, que les températures elles vont monter pendant 300 ans, que la température dont on parle en 2100 probablement sera stabilisée à 3 fois plus que ça plus tard. Donc, quand on parle de 4 degrés, c'est plus 12 degrés. Il faut imaginer un petit peu le monde que ça va être. Et que l'eau, elle va monter, le niveau de la mer va monter pendant des milliers d'années. Et quand on voit bien que finalement on se met dans cette perspective-là, c'est une course de fond. Et dans cette course de fond, on a un problème avec le numérique parce que son impact, il devient bloquant vu qu'il n'est pas virtuel. La transition énergétique, c'est la division par deux des émissions de gaz à effet de serre en France, en France et dans le monde, mais en France ça se traduit comme ça aussi, division par deux des consommations 2050. Et c'est la décarbonation du mix énergétique avec une montée de l'électricité, mais pas que, dans le même temps. Si on regarde le secteur numérique dans le monde, c'est 5 à 9% de la consommation électrique en 2018. Les gaz à effet de serre, c'est de l'ordre de 3,7%, c'est à peu près l'équivalent de l'aviation. Et le problème, c'est que c'est une croissance. Alors, cet été 2018, mais ça, c'est pas. Avec le Covid et l'augmentation du déploiement numérique, je pense que ça, c'est pas réduit. C'est de plus 8% d'émissions de gaz à effet de serre par an. Si on se remet sur la France, dans laquelle on a un mix électrique un peu décarboné avec le nucléaire, on est d'ores et déjà à 2,5% en 2019, et la projection, c'est 6,7% des gaz à effet de serre en 2040. Alors la problématique qui est associée à ça, c'est que c'est très difficile de demander à tous les secteurs, les gens, les entreprises, les collectivités, de réduire leurs émissions et de laisser un secteur, lui, exploser dans son impact. On ne peut pas attendre que juste le mix énergétique se décarbone. On a une problématique, on ne peut pas dire on va juste décarboner l'électricité. 80% de l'impact du numérique, aujourd'hui, c'est les terminaux. Enfin, c'est les terminaux, c'est les terminaux, les serveurs, et ce n'est pas tellement l'usage. L'usage, c'est 20%. Donc le jour où on place quelque chose dans le monde du numérique, un équipement dans le numérique, l'impact est déjà constitué. Alors, si on regarde les équipements, nos terminaux, téléphones, ordinateurs, comment ils sont constitués, majoritairement, c'est du plastique et du métal. Et en fait, ça nous amène dans un cercle vicieux entre métaux et énergie et une notion de déplétion qui émerge. Là, je vous mets deux courbes. Celle à droite, c'est un ratio en vertical, c'est quantité d'énergie consommée pour extraire des minerais qui viennent à l'horizontale de terrain ou avec une concentration plus ou moins faible du minerai. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet seuil à un moment où la consommation passe vraiment un palier et explose, la consommation d'énergie pour extraire du minerai explose plus qu'exponentiellement avec la baisse de la concentration. Et ça fait apparaître, ça amène à porter l'attention sur les courbes du milieu. On voit une petite colline et une montagne. La petite colline, c'est la quantité. Ça représente la quantité de gisements, de matière, en fonction de la concentration des mines, la concentration des gisements. Donc il y a peu de zones de. Finalement, la petite colline, c'est les concentrations fortes, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ce qu'il y a beaucoup dans la Terre, c'est les concentrations faibles. Ce qui veut dire globalement que la grande quantité de matières premières qu'on pourrait théoriquement extraire, on ne le fera pas, on ne peut pas. Parce qu'en fait, ça va consommer une quantité d'énergie et avoir des impacts environnementaux démultipliés. Et il faut mettre ça en perspective en se disant que là, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est que dans les 30 prochaines années, on va extraire autant de minerais que depuis le début de l'humanité. Alors on peut dire, tiens, on va
on va faire du recyclage. Le recyclage est une bonne piste à creuser, mais elle ne résout pas tout. Là, si on prend un minerai dont la consommation augmente de 4% par an, en fait, la déplétion du minerai, c'est-à-dire le moment où on peut dire on peut plus l'extraire pour des raisons, parce qu'on a atteint une limite en termes d'impact ou en termes de consommation d'énergie, bah, est décalée de seulement 20 ans. Donc on gagne quelques décennies, mais on ne gagne pas un siècle. Et de fait, la déplétion auquel on est confronté, et particulièrement confronté numérique du fait de la multitude de métaux rares et précieux qu'on peut mettre dedans, ce n'est pas un problème de rupture d'approvisionnement, c'est un problème de dépassement des limites planétaires et d'impact insupportable en termes de mécanismes d'extraction. Donc ça nous ramène au défi du siècle. Le défi du siècle, c'est finalement de passer d'une civilisation qui est nos limites, nos futurs, donc moi je l'appelle civilisation punk, qui est la nôtre, et d'aller vers une autre que je dirais c'est bien vivre dans les limites de la planète sur mon territoire. Et le passage de l'un à l'autre, ce n'est pas juste un facteur, ce n'est pas que du carbone, c'est un ensemble multifactoriel, il y a des questions d'eau, de biodiversité, de toxicité, et arriver de faire l'un à l'autre, c'est ça la grande complexité. Et dans ce contexte-là, le numérique, il présente un certain nombre d'obstacles, il y a des éléments qui sont défavorables. Le premier que je vais citer, c'est autour des data centers. On a un développement extrêmement fort des data centers, notamment dans le cadre du développement du cloud, avec au cœur des préoccupations l'expérience utilisateur. On n'accepte pas la latence, on n'accepte pas qu'un service soit accessible. Ça amène à avoir un dimensionnement des data centers qui sont dimensionnés pour la pointe. Dans le numérique, dans les transmissions, dans le fonctionnement des services, on a des pointes au même titre qu'on a des pointes de circulation sur l'autoroute. Et ce qui veut dire que quand on est hors de la pointe, on a des serveurs qui tournent, mais qui ne sont pas utilisés. Voilà, il y a un surdimensionnement. Et alors l'explosion des données continue à alimenter ce développement fort des data centers. Jusqu'à présent, c'est resté assez neutre, parce que globalement, il y a une augmentation de la performance considérable des data centers. Aujourd'hui, Google nous annonce que le ratio entre la quantité d'énergie pour faire tourner son data center et la quantité d'énergie qui est vraiment effectivement utilisé pour faire les calculs, c'est un ratio de 1,2. C'est les best in class, mais néanmoins, c'est ce à quoi ils sont arrivés. Et ce que ça dénote quand même, c'est que c'est pas évident que les data centers arrivent à continuer à faire de l'amélioration de leur performance pendant très longtemps pour atténuer l'impact de l'explosion des données. L'autre point, c'est on développe des réseaux divers et variés. On a fait la 2G, la 3G, la 4G, enfin 2G, Edge, 3G, 4G, 5G, on parle de 6G, et on a fait la DSL puis la fibre. Globalement, les infrastructures déployées, les legacy historiquement, elles ne sont pas désinstallées. Alors, on commence à désinstaller la DSL, mais néanmoins, on a dans la dynamique finalement du renouvellement des infrastructures un empilement qui se met en place et donc une accentuation et de la mobilisation de matière et de la consommation d'énergie. Le troisième effet que j'insiste, c'est l'augmentation de la taille des écrans. Plus grand écran de télé, plus grand écran de téléphone portable, plus grand écran d'ordinateur. Associé à ces écrans, on a aussi une augmentation de la quantité d'informations par pixel. Je donne plus de couleurs, je fais de la 3D, je fais du contact tactile. Et en fait, ça se traduit par le fait qu'on a des débits associés à des flux, pour l'exemple streamé, qui étaient de quelques mégas, puis 10, puis 35, et maintenant on est plutôt à 80. Quatrième point, la question de la programmation. Les ordinateurs fonctionnent avec des 0 et des 1. Il y a le langage de déprogrammation qui est le plus proche de ça, c'est l'assembleur. J'ai connu des collègues qui étaient bilingues français assembleurs, clairement ce ne sont pas des humains. Donc on a travaillé fortement pour trouver des langages qui étaient plus faciles à utiliser. On a eu du C++, bon, de l'ADA, du Java, etc. En tout cas qui a amené des niveaux d'abstraction pour rendre démocratisé le développement, ce qui fait que maintenant on a quand même des choses et dans le programme de langage de programmation et dans l'environnement qui sont quand même plus simples. Par contre, ça introduit des optimisations. Ce qu'on code et la façon dont c'est traduit en 0 et 1 est complètement désoptimisé. Ce qui fait que, de façon assez, pas forcément si intuitive que ça, mais en fait, par exemple, sur un code Python qui sera déployé sur différentes machines dans différents environnements, on peut avoir un écart x100 entre la quantité d'énergie nécessaire à faire la même exécution. D'une façon générale, les logiciels sont moins performants. Dans les années 2000, il y a eu l'apparition des widgets, qui étaient des petites applications qui commençaient à récupérer des données en permanence pour tourner. Typiquement, c'est quoi la météo d'aujourd'hui ? Ce fonctionnement de « je récupère des données en permanence », c'est quand même généralisé avec les applis.
les applis qui sont arrivées dans la période du digital. Donc, c'est en permanence, on récupère des données et il y a aussi des mises à jour assez récurrentes. Moi, mon téléphone portable, quand il sature, il désinstalle une application tout seul sans me demander, je vais la réutiliser, il me la réinstalle. Donc, évidemment, téléchargement de données, CPU, etc. On revient bien dans l'expérience qui est au centre de tout et qui est plus importante que les impacts. Il y a une obésité logicielle qui se traduit du fait de la façon dont sont des langages de programmation et des environnements, mais aussi finalement du fait que les équipements devenant plus performants, les codeurs ont moins besoin de faire attention aux ressources sur lesquelles ils s'appuient. Donc ça s'est traduit très concrètement par Windows 10 X qui était moins performant que Windows 97. Donc on a des logiciels moins performants, plus gourmands en ressources. Et plus récemment, alors dans la continuité des logiques du développement des applications, mais aussi des sites web, du fait de cette course à l'audience, du fait qu'on ne cherche pas à vendre un service, on cherche à capter l'attention des personnes, on a des designs d'interface addictifs qui sont apparus, qui produisent des sacrés effets chez nos gamins, mais globalement pour capter l'attention. Alors l'exemple, c'est, on trouve ça dans les réseaux sociaux, dans les jeux, mais pas seulement, on retrouve sur pas mal de sites web. On efface des repères, typiquement le scrolling infini. Quand on voit des contenus, on peut toujours chercher à glisser vers le bas, il y a toujours un nouveau contenu qui apparaît. Et donc, en fait, les interactions, on a travaillé les interactions, on les a fait changer pour qu'on passe du fait qu'il fallait interagir pour voir un contenu à il faut interagir pour arrêter. D'où des phénomènes d'addiction, notamment qui se développent chez les plus jeunes et puis chez d'autres. Donc maintenant, si on se projette et on se dit, on essaie de rassembler tout ça, là, ces contraintes de transition environnementale au sens large et transition numérique, nos chères têtes blondes qui demain voudront arriver à continuer à vivre correctement sur notre planète, eh ben, ils vont avoir avec nous à repenser intégralement la chaîne de valeur dans ces différentes composantes, la chaîne de valeur du numérique. Chez les utilisateurs, sur les aspects d'interface et d'addiction, dans les logiciels, sur des aspects d'obésiciel et de fonctionnement natif finalement des applications, dans les tailles des écrans, moi je mets le pétrole lampant, mais c'est bien le principe, on met quelque chose qui va consommer du débit fortement et on en promeut l'usage, donc la maîtrise des écrans, sur les terminaux, sur la durée de vie des terminaux, qu'on ne les jette pas au bout de 2 ans, sur l'accès au réseau, l'empilement des réseaux, sur les data centers, sur la course au volume et l'hyperdisponibilité, et dans les modèles économiques, pour arriver à remettre en question des aspects trop court-termistes et les effets rebonds qui sont induits. Alors maintenant, je vous dis tout ça. Bon, on fait comment? Alors comme on est le 2 décembre, eh ben, je vous fais ma liste au Père Noël. Donc c'est en termes d'hygiène de vie numérique. Bah, globalement, déjà, il faut arriver à tenir compte des biais qui sont exposés là. Les biais actuels, finalement, du déploiement, de l'utilisation du numérique. Donc, il faut arriver aussi à donner des clés pour changer l'approche entrepreneuriale. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'approche entrepreneuriale, elle est directement sur l'effet rebond. Donc, il faut arriver à construire quelque chose de différent. Il peut y avoir des effets rebonds positifs, qu'on soit clair, mais il faut bien les concevoir et pas arriver à construire les mauvais. Il y a probablement des possibilités de régulation des principales dérives. Et là, sur la plupart des accès, le design addictif, la taille des écrans, la durabilité des équipements. On voit bien qu'il y a des capacités à réguler à peu près à tous les étages, qui ne changent pas tout, mais qui définissent un cadre, et je reviendrai sur la notion de sobriété qui est importante. Il faut penser le numérique pour passer un cap. Ça ne sert à rien aussi de dire on arrête tout, je ne fais pas de numérique tout de suite. On sait bien qu'on en est dépendant. Je pense qu'à l'UGA aujourd'hui, ils le sentent. Vu qu'ils ont une attaque informatique. Mais en même temps, c'est un outil formidable pour transformer la culture et amener à aller chercher, à mieux comprendre et à faire des choses différemment. Par contre, il ne faut pas devenir dépendant. La dépendance au numérique est un vrai danger parce que même si c'est un outil important en termes de transformation de culture, n'empêche que à date, aujourd'hui, c'est une voie sans issue. Ça ne veut pas dire que ça le sera toujours, mais dans sa conception des équipements et dans son appréhension, qu'est-ce qu'on en fait dans nos métiers, dans nos business, dans nos services publics, c'est une voie sans issue. Et donc, à ce titre-là, tant qu'on n'a pas trouvé mieux, ben, il faut être capable de le concevoir et de l'utiliser comme une ressource rare.
Et donc, je termine avec cette question de sobriété numérique. Pareil, je vais terminer en lire, c'est en lisant la définition, parce que je vais prendre la définition de sobriété du GIEC, parce qu'on n'est pas chez les Amish. C'est toutes les mesures politiques qui permettent d'éviter au départ la demande en énergie, en eau, en sol, tout en offrant à tout un chacun un niveau de vie décent dans le cadre des limites de la planète. Donc, ce n'est pas Amish, c'est bien vivre, mais en tenant compte des contraintes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, oui, vous m'entendez. Merci beaucoup pour cette présentation, vraiment très claire. Enfin, moi, mon point de vue, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Franchement, super. Merci beaucoup. Et très, très intéressante. Alors, elle est ouverte aux questions. Et donc, on va jongler entre les questions de la salle et les questions à distance. Alors, de la salle, est-ce qu'on a une question pour notre orateur? Oui, là-haut. On vous apporte le micro. Quelques questions. En premier, je n'ai pas tout à fait compris l'obésité logicielle. Pourquoi ces logiciels sont de moins en moins... Je veux dire, c'est leur grosseur et qui fait que la loi de l'incertitude augmente et puis que c'est de moins en moins performant. Ou pourquoi c'est moins... Enfin, je veux dire, c'est pas fait avec autant de rigueur, déjà. Ensuite, deuxième question... Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles donc pour l'avenir. Si on considère des scénarios à la Elon Musk qui veut que Terraform et Mars et puis qu'on aille tous là-bas, c'est sûr qu'il ne va pas faire beaucoup d'efforts peut-être pour l'avenir, pour la planète. Donc il y a ce vaisseau spatial est à ménager et puis voilà, et comment faire évoluer les mœurs, quoi. Alors sur l'obésiciel, je ne vais pas tout donner dans le détail, mais juste donner quelques pistes d'exemple. Si vous faites un logiciel embarqué, avant, les premiers logiciels qui ont été développés étaient avec des environnements d'ordinateur qui étaient extrêmement contraints. On avait peu de ressources mémoire, on avait peu de capacité CPU, il fallait coder un assembleur, il fallait directement coder dans le langage machine et optimiser ces algorithmes. Aujourd'hui, en ayant la capacité finalement d'avoir des quantités des disques durs avec des terras ou plus, avec de la CPU à multicore, etc., ces contraintes, elles sont disparues. De façon assez naturelle, j'ai un peu plus de pognon, je vais m'acheter une plus grosse voiture, je vais aller plus loin avec, mais en même temps, les ressources, les impacts, enfin, on a en tout cas des capacités d'environnement, de puces, de réseaux, de connectiques qui rendent des choses possibles qui n'étaient pas avant, les contraintes sont desserrées et de ce fait, on se déploie. Je vais faire un parallèle avec les infrastructures routières. Vous faites une infrastructure routière, elle est saturée. Demain, vous dites du coup, tiens, je vais rajouter une nouvelle voie. C'est ce qu'on fait actuellement. Dans les 5 ans, elle sera saturée à nouveau parce que vous aurez fait un appel d'air, les gens sont déplacés plus loin. Et aujourd'hui, on a un problème sur la gestion de l'urbanisme de ce fait-là. On a le même mécanisme dans l'urbanisme numérique. Donc l'autre question, c'était la vision d'Elon Musk. C'était le point de départ que j'avais de dire qu'on a un mode de contrainte et qu'on en de contraint. Dans lesquels on avait une très bonne qualité de vie, mais ne tenant pas compte des contraintes, on est en train de la dégrader progressivement. Donc après, on peut chercher un sens extrême. De toute façon, on va rentrer dans la contrainte. Et effectivement, entre essayer de régler les problèmes ici et essayer d'aller terraformer Mars, je pense que c'est carrément plus simple de résoudre les problèmes ici, quoi. Très bien, merci. Je vais prendre une question à distance, je crois, si on veut bien me l'afficher. Voilà. Je vais vous la lire pour qu'on la partage tous. D'un point de vue de l'augmentation de la consommation numérique, 6-7% en France, est-ce que cette augmentation a un impact positif sur d'autres secteurs et qui ferait que l'ensemble est rentable à l'échelle système global? Si oui, comment est-ce mesuré? Très longue question. Alors oui et non. On voit bien qu'on n'est pas juste dans une contrainte de question d'énergie, mais aussi de matière. Je vais prendre un exemple. C'est intéressant de déployer des systèmes de pilotage des bâtiments dans les grands bâtiments. Non, ce n'est pas intéressant de mettre 36 000 capteurs. On est dans des équilibres. Et il faut avoir conscience que cette ressource numérique, elle a une forme de rareté. Aujourd'hui,
on ne l'aperçoit pas, on est dans du phénomène de déploiement de masse qui fait qu'on prend un téléphone portable et on le jette au bout de 2 ans. Oui, ça peut avoir un impact positif, c'est pour ça que je dis attention, il faut bien penser quelles sont les contraintes et les cas d'usage qu'on a pour le déploiement du numérique. Donc ça peut avoir des intérêts sur de l'optimisation de consommation de moteurs, ça peut avoir des optimisations pour mieux piloter des bâtiments, pour aider à piloter le réseau, comprendre. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrait inverse qui était celui évoqué avant sur l'obésiciel. En fait, il y a un problème d'obésiciel et un problème d'obésité du numérique où on le met à toutes les sauces pour tout faire. Ben, il y a des choses, on n'en a pas besoin. Donc, on rentre de toute façon. La transition énergétique, l'impact de la France, c'est 9 tonnes de CO2 par an, en incluant les importations. On doit tomber à 2 tonnes en 2050. Le saut, il est extrêmement conséquent. Donc, si on dit que le numérique n'a qu'un impact positif et qu'on ne tient pas en compte des effets secondaires que ça apporte, en termes notamment d'effets rebonds, on est mort. Donc, oui, il y a des effets positifs, mais c'est ce sur là qu'il faut appuyer, mais il faut comprendre les contraintes. Et donc, on revient sur la gestion de la rareté. Ça ne résout pas tout. Très bien. Alors, je vais prendre une question qui m'a... Voilà. Merci. Oui, félicitations pour votre exposé qui, d'ailleurs, m'amène à trop de questions. Donc, je vais essayer d'en prendre qu'une seule. Rebondir sur le terme qui devient à la mode, qui est puis un sujet, un mot tabou, sobriété. Et sobriété numérique, oui, le problème, je crois qu'il est énorme. Est-ce qu'il ne faudra pas faire comme pour les autoroutes ou le système routier, avec des voitures qui peuvent monter à 200-300 km/h, limiter la vitesse et la capacité pour certains types d'usagers, j'entends bien, parce que c'est vrai que dans certains domaines, la vitesse et la capacité pour, je sais pas, opérer à distance pour les chirurgiens ou choses comme ça, la 5G, la 6G, etc., est certainement une solution, mais pas pour 80% des utilisateurs. Donc, comment limiter? Parce que j'ai vu des projections, on est à 10% actuellement de la consommation électrique mondiale pour le numérique, j'ai vu des projections à 20 ou 30%. Et donc là, ça pose problème. Transfert, on fait du télétravail et on consomme plus d'électricité. Donc, ça pose un problème. Alors, effectivement, cet aspect de la part que peut devenir le numérique à 20%, elle est, effectivement, c'est les horizons, ce qui se place aux horizons. Donc, ça revient aussi à la question de dire précédente sur le fait qu'on ne peut pas aller dans ces directions-là, ça prend une part trop importante. Et donc, il faut arriver à rationaliser la place que ça prend. La question de est-ce qu'il faut mettre des limites ou pas, probablement, en fait, on revient bien sur la définition de la sobriété qui est de bien vivre dans les limites de la planète. Les limites de la planète ne permettent pas de faire tout et n'importe quoi, donc il faut arriver à définir des conventions collectives. Ça touche à la notion de liberté. On a Elon Musk, il est libertarien. En soi, quelque part, on retrouve aussi sur cet aspect-là, sur la liberté, une question de dérive en soi. Et la liberté, je suis particulièrement attaché. En France, c'est liberté, égalité, fraternité. Je trouve que c'est un très beau... Ah. Le micro ? Ah, bon, c'est revenu, voilà. Donc, en tout cas, c'est un très beau slogan qu'il faut arriver non pas à traduire en acte. Et de fait, quand on dit qu'on met des contraintes, il faut arriver à définir des conventions et re-questionner finalement c'est quoi la liberté qu'on définit. La liberté individuelle, à partir du moment où elle impacte la liberté des autres. Enfin, on revient sur des questions, est-ce qu'on autorise les 4x4 ou pas? Est-ce qu'on les laisse circuler avec des consommations de 20 litres au 100? Est-ce que c'est normal? Bon, c'est des équilibres qu'il faut définir, c'est impossible de les mettre de façon arbitraire, mais en tout cas, on voit qu'il y a sujet à débat, et que la question de qu'est-ce que je te laisse faire, jusqu'à quel point je te laisse faire, et qu'est-ce que ça amène de surcroît, de bien-être collectif pour la société, en quoi ça nourrit finalement le bien-vivre ensemble, ben, c'est des choses qui peuvent être largement questionnées. Et alors, je ne dis pas qu'il faut limiter la puissance des puces, c'est un équilibre qu'il faut arriver à définir. Alors, peut-être c'est la puissance des puces. De toute façon, à un moment, on retombera sur des questions de rationnement, parce que si vous revenez sur les questions mes petites montagnes et collines, eh ben, à un moment, on a un problème. Christian, t'apporte le micro. Ah non, Christian, je suis désolée. Voilà. Oui, Julien, ma question, tous les scénarios qui sont présentés là, vous faites quoi comme hypothèse d'évolution de la population mondiale? Parce que j'imagine que si à Colmar, on a la température du désert d'Atacama, il va y avoir des effets sur l'évolution de la population dans le monde, non? Non, alors dans les scénarios qui sont faits, il n'y a pas de darwinisme.
Enfin, en tout cas, on n'a pas de prise en compte de l'extinction massive. Les scénarios qui sont faits à hypothèse constante, on n'a pas des phénomènes majeurs de changement culturel qui sont pris en compte. Historiquement, juste pour dire, la question de la sobriété n'était même pas abordée dans les scénarios du GIEC parce qu'elle n'était pas documentée suffisamment scientifiquement. Donc, des grands changements ne sont pas dedans. Ce qui veut dire aussi que l'avenir n'est jamais écrit et qu'il peut être largement modifié, peu que finalement, collectivement, dans des mécanismes s'installent pour des grosses prises de conscience. Et donc, il n'y a pas de fatalité, ça c'est un élément important. Après, les scénarios, c'est plutôt des scénarios qu'on est en train de vivre en termes d'évolution de la population mondiale, qui monteront à 9 milliards, 10 milliards dans ces eaux-là. Ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas l'augmentation de la population dans les pays africains pauvres qui pose un problème. De même qu'en France, ce n'est pas la population des gens en précarité qui pose un problème. Globalement, c'est un problème de déséquilibre, d'inégalité et de surconsommation de populations qui ont les moyens de faire sans limite. Donc, on revient bien sur des questions de justice sociale. Et donc, quand ceux qui soutiennent que globalement, c'est l'augmentation des pays pauvres qui va nous empêcher d'arriver, c'est complètement faux. La population d'Ibéria, elle peut doubler, tripler, décupler, on s'en fout, au stade de qualité de vie qu'ils ont et compte tenu des perspectives de développement qu'ils ont. Voilà. Très bien. On va prendre une dernière question, mais à distance, si on veut bien me l'afficher. Je suis désolée pour ceux qui sont présents et qui ont des questions à poser. Notre orateur sera là encore pour discuter avec vous. Donc, j'ai besoin de prendre des gens qui ne vont pas pouvoir discuter avec lui. Bonjour. Que représente la mémorisation de choses qui ne sont jamais consultées en taille mémoire et en énergie? Alors, je mettrai Joker, mais je parierai sur un contenu assez conséquent. Enfin, faut juste avoir en tête qu'on garde des historiques d'Internet. C'est-à-dire, il y a des versions d'Internet elles-mêmes sont actualisées et que elles sont consultables, mais il y a des strates qui s'empilent et qui sont conservées. Alors, je pense que tout n'est pas conservé, mais néanmoins, de façon conséquente, hein, on parle du dark web. Ça peut être sacrément colossal, quoi. Voilà, très bien, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre séance et je vous invite à remercier à nouveau Julien Aubillard pour sa présentation. Merci beaucoup. Merci aussi pour la discussion et les échanges. Ne partez pas, j'ai quelque chose à vous dire, s'il vous plaît. On vous enverra les questions qui sont aussi à distance, si vous voulez bien y répondre. Avec plaisir. Voilà. Alors, moi, je voudrais vous demander quelque chose. Donc, vous avez réservé pour certains des sandwichs. OK ? D'accord ? Je voulais vous préciser qu'on était limité au maximum à 5 sandwichs. Et ce n'est pas pour des raisons de budget, c'est parce que les restaurants ne peuvent plus assurer la fabrication des sandwichs par manque de personnel. Donc, on est limité à 100. Donc, je vous invite, par civilité, si vous avez réservé un sandwich, vous vous le prenez. Si vous ne l'avez pas réservé, je vous invite à aller vous au buffet, puisque aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un buffet qui est proposé par le Carnot Énergie du Futur. Et donc voilà, je voulais vous demander de m'écouter pour ça. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. À bientôt.